Hey, j'ai une super idée pour Joël Abati. Allez-y, déroulez. Bah, tout le monde sait qu'en dehors du terrain, Joël c'est un mec gentil, adorable, prévenant, super à cheval sur les principes. Et comme il sort jamais sans sa Bible, on l'appelle le révérend. Et donc ? Bah, donc, je le vois bien illustré comme un saint avec une auréole au-dessus de la tête. Franchement, est-ce que tu crois que ça colle avec l'image de Joël sur les terrains, ça ? Ouais, bah, c'est vrai que... Mais comment ça se passe sur les terrains ? À chaque fois que vous faites une faute, vous vous excusez ? Non, mais après le match, je fonce direct au confessionnal. Et le curé vous pardonne ? Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci ? Lors du dernier match, on perdait de 2 buts à 1 minute de la fin. Les arrières, ils étaient graves en réussite. Alors, j'ai dû utiliser les grands moyens. Et après, ben, ils étaient moins en réussite. Et vous avez pu revenir au score ? Ben oui, après on a gagné le match. Ah ben alors, tout va bien. Ça veut dire que je suis pardonné ? Mais bien sûr. Et au début d'écart à 1 minute de la fin. Même pas un pater ? Un Ave Maria ? Mais non, tu sais Joël, parfois il faut arrêter de tendre l'autre joue et commencer à multiplier les pains. Ok. C'est drôle parce que quand on vous voit comme ça, on n'imagine pas que vous puissiez être... C'est mes photos de la boule. C'est marrant. Vous aussi, quand on vous voit comme ça, on n'imagine pas.